Il savait. Il aurait pu m'aider. À la place, il m'a perdu. Ah, il est pas content. Piégé entre les mondes. J'ai changé. J'ai appris. C'est l'elfe. J'ai l'impression, ouais. Ah ouais, l'autre, il l'a... J'ai appris à faire la seule chose que Cygnus craint le plus. Je vais utiliser ces nouvelles compétences pour rassembler les orques. Désormais, ouais, du coup, oui, il se bat plus. Oh, c'est sympa, lui. Une petite histoire comme ça. Il a craché à la gueule et du coup. Équipé augmente la capacité en mana. Ah, Babiole. Putain, celle-là, je l'utiliserai. Babiole de soif de mana. C'est bien ça. Attends, je suis pas dans la partie. Mais... Du coup, je vais changer. Allez, il y a plein de plafonds. Ah, j'ai réussi celui-là. Je t'explique. Ça, et je vais virer. Je vais juste virer les barrières. Je te laisse les prendre. Alors, moi j'ai fait. J'ai fait un truc, c'est j'ai fermé là. Attends, parce que je suis en train de changer de piège, putain, mais j'en ai. Tout à trois trucs en fait. Tac, et je vais virer. Là, et je vais prendre ça. En fait, je me suis battu là. Dans le couloir ici. Là où t'es. Toutes les portes, j'arrive à les faire venir là. Attends, je vois rien de. Je suis en train là, le gars. Attends. Je suis en train de mettre des pièges, vas-y, dis-moi. Alors, ce que j'ai fait, c'est. J'ai fermé en bas pour que toutes les portes arrivent dans ce couloir, dans ce coin de couloir là. Ouais, ça me va pour mes pièges, c'est bien. Et du coup, en gros, c'est. Je fais une barrière ici. Qui va là. Et là, pareil. En fait, qui va de bout d'escalier jusqu'à là-bas. Faire une barrière sur tout l'escalier. Non, faut. En fait, faut y aller jusque là, fermer jusque là en fait comme ça, mais en laissant une ouverture. J'ai plus de thunes. Passe dans l'escalier justement. C'est ça. Ouais, parce que ceux de l'escalier vont passer là, il faut qu'ils remontent dans l'autre escalier là. Ouais, donc là c'est baisé pour le moment, parce que moi j'en ai pas de barrière. Ouais. Ah t'as pas de barrière, ok. Je les ai pas pris, tu veux que je les prenne? Non. Ah ouais. Si, attends, remarque, attends, je peux faire un truc, je peux prendre des barrières, je vais virer, je suis là. Ah attends. Des barrières. Attends, moi les barrières, archer. Je les paye 800. Bah moi aussi, hein. Attends, je vais virer archer, je vais prendre quoi à la place? J'avais pris chargeur mural, je pense. Qu'est-ce que j'ai pas pris à la place? Ah ça, non. Si ça... Ok. Donc attends. Des barrières. Bah vas-y, on va poser des barrières. Attends, je suis pas prêt là. J'ai bougé un truc, je sais plus ce que c'était. Bah c'est pas grave. Tout ça, tu les payes pas cher les barrières. 800. Bah si, bah comme moi. Oui. Je vais prendre. Putain. Gros, un truc comme ça déjà. Ah, je vais prendre. Ça. Après, faudra mettre une barrière de là à de là. Ça. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Après, tu fermes ici. Ok. Bah, vas-y, moi je suis chaud. Ok, c'est parti. Après, j'ai plein de pièges pour les petits plafonds et tout. Ouais, bah, impeccable. Net. Juste les faire longer un peu le. Bah, moi, je suis prêt, hein. Pardon. Alors, jouer du fusil un peu. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Et voilà, c'est des antifeux. Ils sont presque là. Ils arrivent. Putain, les ennemis sont à la faille. Faut pas les faire tomber là, sinon ils tombent dans la faille. Ouais. Ouais. Exact. Ah, merde. Oh la vache. Ouais, ça va être tendu peut-être. On aurait peut-être dû fermer en attendant. On aurait peut-être dû mettre des pièges en fait surtout.
Ouais. Un seigneur de feu. Waouh. Ils sont pas aussi effrayants dans les livres. C'est bon. Je pense que je comprends comment gérer les créatures de feu. Attention. Ce seigneur du feu va se décomposer en petits enfants du feu rapides quand il mourra. La merde de ton côté ou pas? Non, c'est fini. C'était chaud. On va fermer, hein. Voilà. C'est bon. Faut mettre du piège en haut. Ah non, c'est plus du tout là du coup. Ils vont passer où alors? Ils vont quand même passer là? Regarde, ils vont descendre et ils vont remonter. Et voilà, et ils vont retourner dans notre... là-bas. Donc du coup, faut le faire à partir d'ici quoi. Là. C'est bon ici? Ouais. C'est à partir d'ici qu'on fait. Merde. Essayez ça, je sais pas ce que ça donne. Quoi ça? Ah oui, c'est le truc de flèche. Tchouk 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 tchouk. Que t'as plus de thunes, c'est vrai? Non. Plus d'ennemis arrivent. Du coup, faut mettre des trucs de foudre alors. Ouais, je mettrai des lasers. Pas une rangée de lasers. En fait, il y a déjà des pièges en bas. Si tu regardes, il y a des broyeurs et tout. Ouais, mais il faut les mettre. Ouais, ouais, ouais. Si on les fait longer et tout, c'est ce que j'avais fait moi. Gros là, si tu les fais longer tous ces trucs là, c'est pas mal. Ou alors tu mets juste des trampolines. Ah oui! Ouais, qu'il en va dedans. Il y a moyen de faire des mazes vraiment marrants en fait. Grave. Un gros trampo là. Les faire comme toi. Du coup, il aurait fallu que je vire mon truc de mon piège en haut. Les ennemis attaquent sur un autre front. Attention, nos ennemis ont à nouveau fait une percée. Ils arrivent. Le bruit que ça fait, ton truc. C'est énorme. Ouais, ils m'ont changé ça. Ouais, c'est bien fait, hein, avec les petites étincelles et tout. Peut-être en mettre un avant. Je sais pas si ça fait trampoline ou pas ces machins là. Je sais pas. A l'air. Bah dans la logique oui. Peut-être qu'il passe dessus. Ah si, si. Ah oui, tiens. Ah, peut-être que tu le mettes plus en amont. Hein. Ah, je vais le mettre avant. Il aime pas le feu en tout cas. Ouais. Ça tire un peu, je sais pas si ça fait des dégâts, mais ça tire un peu. C'est un truc pété le truc en bas ou quoi? Non, non, non. Je vais le démonter et je vais le mettre plus en haut. Ouais, ça va. Ah, je rentre. Ah non, je peux pas. Merde! Ah, je suis con. Même c'est ma faute. C'est foudre des trucs, du coup, je me fais pas chier à mettre de la foudre. Ouais, ok. Il est insensible au feu. Il fait un petit bouclier en fait. Ouais.
croyais qu'ils partent de l'autre côté. Ouais, parce qu'ils suivent leur maze, mais après ils reviennent. Ils sont teubés. Sur l'autre en bas, ça réduit un peu les... C'est moi qui les gèle avec ma bague. Ah ouais, aussi. Non, quand tu les vois marcher, t'as l'impression qu'ils sont collés au sol. Non, c'est bon. En fait, c'est peut-être que ils meurent quand ils touchent le sol, mais ça doit être ça en fait. Mon rouleau il sert mais que là quoi. Ouais. Tu l'as monté l'archer? Non. Rien, je t'ai dit, ça fait que la santé. Ouais, c'est pas terrible là. Wow, lui il est pas mort. C'est bon. Ok.
un peu mis des lumières. Oui. Il manque toxique et c'est bon. Bah, je monte avec canon. C'est plutôt fini. Oui. Ça va pas. Non, ça va. C'est un... En fait, c'est un seigneur de feu, quand il explose, il explose. Le rouleau, s'il est bien, au final, je pense sur des trampolines. Le rouleau de... Le codé là, tu sais, qui est censé broyer les mobs. Ouais. Bah, j'ai pas l'impression que ça fait des dégâts. Je sais pas. Tirer dessus, t'attaquais jamais. Ouais. Là, si tu vas sur eux, ils te suivent même. Avec le laser, je vois plus rien. Ouais, peut-être la rapidité on l'a pas, je crois. Je vais faire le câlin à Jules et j'arrive. Yes. 5 minutes. Mmh. Juste voir les résultats, les stats. Yes. Oh. Putain, 24 secondes près. Statistique. Kill en pleine tête 53. Tué par piège 135. Allié tué 397. Non, tué plus que moi, je pense. Kill en pleine tête 35. Tué par piège 52. Je sais pas, c'est écrit. Allié tué 397. Non, je suis 242. Et tué sans piège en 90. Et j'ai pas tué sans piège moi. Tué par piège 135. Piège posé 24. Dégâts subis 500. Soins prodigués 200. Pièces gagnées 35 000. Bonus de combo 365 000. C'est ça qui te fait gagner. Ouais, c'est ça, 365 000. Allié tué depuis le début, je sais pas ce que c'est ça. Intouchable, fois, ça te fait fois, un crâne x 2. C'est-à-dire que tu te fais jamais toucher par les mobs. Ah ouais. Okay. Putain. Ah ouais, Bah, allié, c'est si toi ou moi tu meurs, non, c'est ça? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Je re. Ok.
Ouais, égal, allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Jules, il me demande à boire. Après, il va dans son lit, à chaque fois, il boit. Et je lui donne sa gourde. Il me dit, la gourde, elle est cassée. Et je lui dis, on n'en a pas d'autre. Ici, il me dit, si, dans le magasin. Il me dit, il faut aller chercher une gourde voiture dans le magasin. Il faut prendre la voiture et aller chercher une gourde. Et j'ai dit, bah oui, on verra. Et il me dit, demain. Et je dis, c'est pas Jules qui décide. Et il me dit, si, c'est Jules. Ah oui. C'est chaud. Alors, comment on s'organise ici, c'est chaud. Ici, c'est chaud. Alors, c'est chaud parce qu'il y a des pets. Ils peuvent arriver que là. Non, ils arrivent de deux endroits. Là. Et tout mais le pour chemin. Pour arriver à la faille, ils arrivent que de là. Ils peuvent arriver que de là. Non, et d'en bas. Oui. Oui, que de... monter que par là. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, attends. Moi, je suis débordé à chaque fois. Là, on peut pas la condamner, donc on est obligé. Il y a des pets barrés, hein. Est-ce qu'on arrive à faire un maze? Faut mettre des pièges ici pour tuer les... Non, regarde, attends. J'ai une idée. Ouais, ça m'intéresse. Est-ce qu'on arriverait à faire un maze? C'est genre on bloque ici avec un passage. Là on décale la barrière, mais je vais pas y arriver. Mais je te montre, je vais t'en enlever une autre. Alors, après on décale la barrière. Ouais, mais je sais pas s'il passe. On continue là. Notre maze. Non, on continue notre maze. Ouais, justement, je sais pas, à voir. On continue notre maze et en gros, on les laisse revenir comme ça. Ouais, mais t'as des pets barrières. Si jamais il y a une barrière qui pète. Il y a des. Comment il s'appelle là? Les kobolds, les sapeurs kobolds. Je crois qu'il faut jouer ici alors. Bah, sinon on est fait le courir eux tout le long du mur ici. Épée de barrière. Épée de barrière, ils viennent peut-être pas d'ici. Ouais, ils viennent des deux endroits. Et après, t'as là, ça vient d'en bas. Un peu plus facile en bas, mais. Là, ici, de toute façon, ils passeront ici, quoi qu'il arrive. Oui. Il faut des trempeaux. Ouais, trempeaux, c'est pas mal. Là aussi, remarque. Ouais. Il suffit de mettre des trempeaux ici. Ah, le problème, surtout ici, en fait. Il y a des pets de barrière à chaque truc. Bah, ils viennent des deux côtés, après il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, en fait, les pets de barrière, si on met des pièges ici, là, ça peut les tuer avant qu'ils arrivent. Du coup, nos barrières, elles sont safe. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on commence quand même à remplir ici. Bah, on met des pièges ici, mais après, on peut essayer de faire le truc là-bas. Ces machins-là, là, tu les vois. Ouais. En gros, à chaque fois que ça souffle, les machins, ils explosent direct. D'accord. Ouais. À la limite, je peux essayer de faire des. Tu sais, genre, je fais une ligne goudron, une ligne barrière, comme ça, tu vois, à chaque fois. Mmh. Je mettrais ça, parce que si jamais toi il se déclenche sur des mobs, passe à peur. Moi, je peux essayer de mettre un truc comme ça, tu vois. Déjà, dans un premier temps, je vais faire une ligne de ça, un peu de tout. On va faire la poubelle. Est-ce que je peux faire ça? On va faire ça. De toute façon, dans un premier temps, je vais faire ça. Puis on verra. Et. Je pense qu'on va pas gagner du temps sur celui-là, mais. Attends. Faut que je teste mon nouveau truc, il est où? Non, je l'ai pas pris, attends. Tu peux le prendre? Pourquoi je l'ai pas? Voilà. Ça. Je vais le mettre là. Ok. Bon bah, si le gars il est prêt. Allez. Ah, tu l'as pris ça? Ah non, c'est ici. Ça lance? Ouais, ça se lance, ouais. Ah,
Ah oui. Ouh, oui, je m'en rappelle d'eux. Ils préfèrent tuer des mages de guerre plutôt que de passer par la faille. Ah oui, eux ils te suivent, mais ils cherchent pas à aller dans la faille, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, ils veulent juste te tuer. Putain, il m'a placé mon piège, il déclenche jamais. Tu l'entends? Y'a plus la lame dedans, là. Ouais, mais... Du coup, ici on remet rien, ça. Ouais. Je vais, même... je vais le mettre là. J'ai pas pris d'archer, j'ai rien pris. Moi, ce que j'avais fait, c'était ici, mais bon. Avec les sapeurs, c'est pas top. Moins que. Ah oui, il y a deux portes et en bas. Si tu, okay. Si tu mets une barrière, mais qui bloque pas. Ah là, oui. Par exemple, juste oui, pour oui. Les faire longer le mur. Ah, on peut, ouais. On après. Pas, ils vont pas la péter. Ah si, si, les kobolds, ils sont là juste pour péter les barrières. Ouais. On peut les mettre, hein. Après, il faudra juste penser à les remettre. Merde, un peu. Donc, où tu veux te mettre? Je voulais foutre des trucs comme ça. Ça va donner. Non, j'ai plus de thunes. Bah attends, dans ces cas-là, je vais mettre. Ouais, jouer du fusil, je pense, au début, de toute façon. Il te coûte pas cher celui-là, c'est 850. Ouais. Je vais mettre ça là. Allez. Plus d'ennemis arrivent. Tu vas y tomber, non? Non. Ouais, ça. Ils ont détruit une autre porte. Parce que le fusil, ils ont mis une vraie arme. Le rond, il est énorme en fait. Ouais, mais de loin ça vaut rien. Mais je veux dire, ils ont pas mis une vraie difficulté. Ici, moi je pense de pouvoir jouer avec les héros. Ah, au moins il y en a un tout le temps. Ouais. Caché, ouais. C'est pareil en fait. Pareil. Si on met des trampos, je vais garder les thunes pour là-bas. Là-bas, c'est très court quand même. Mmh. Je vais y retourner d'ailleurs, je vais faire une ligne parce qu'à mon avis, ça va lancer après. À la limite, on a un peu plus de temps pour les voir venir. Plus d'ennemis arrivent. Je vole. Non, mais ils arrivent pas de là, attends. C'est toujours la même. Ils arrivent d'en face. Et de là, ok. Je me suis touché une fils de pute. Attention, je vais reprendre par derrière. Quoi? J'ai voulu des archers ici. Ouais. Hop, 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 tu es où toi?
mana, c'est pas mal que ça babiole là. Non, je l'ai pas. Celle d'en haut, je vais à celle d'en haut. Ouais, mais des pièges. Tu me dis, hein, si. Ouais. Plus d'ennemis arrivent! Ok, j'arrive. Je suis un peu loin. C'était deux, mais. Okay. Tu commences à en mettre là-bas là, si c'est bon pour toi. Ouais. Sans le héros, c'est impossible en fait. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ah si, voilà, faut avoir vraiment le bon piège, le bon machin. Le bon combo. Faut remettre là-haut. Faut remettre des pièges là-haut. Donc on peut rien mettre comme piège. Tu peux mettre quoi, deux pièges à chaque fois? Ouais, c'est ça. Enfin, si, moi je mets un petit peu plus. Je vais mettre ça. Voilà. J'ai mis trois pièges. Plus d'ennemis arrivent! Come on.
comme ça là. Ta manette. Tu l'entends? Ouais. Voilà, ouais, c'est marrant. Du côté qui est sympa à la manette par contre. Oh, il y a du monde là. Vache. Il y a des feuilles. Merde. J'ai mis aucun piège quasiment ici parce que... Moi j'arrive pas à en mettre en haut. Vague suivante, il l'enchaîne net. Sans détour. Attends, je vais en mettre en haut si tu veux. Je peux mettre... Plus d'ennemis arrivent. Non, ça va encore. Il a l'air d'arriver fort, non? Ça va, ça va, ça va. Ok. Tant qu'il passe pas le tunnel. Il y a rien sur le tunnel. Ok. Ah, ça chaîne les combos, c'est trop marrant. Putain, y'en a un qui est passé. C'est bon? Ouais. Putain, je l'ai pas vu. Un petit là, j'ai pas vu, il est sorti, fils de pute. Ah, c'est les petites flammes. Du coup les épées et tout sur les héros c'est pas ouf. Je sais pas, faut tester. Ouais, on est con, on est pas sur les gens. Il y a encore une vague. Je vais mettre un piège là-haut. C'est quand même le couloir de la mort normalement. Ouais. Merde en bas. Ça approche. Non! Non! Bah, c'est où? Bah, on les a pas vus. Vous êtes de petites merdes, tu sais, qui nous ont passé dans les pattes. Ah non! Allez! C'est sa dernière vague. Le dernier, quoi. Ah, je suis dégueu. On passait net! Mais ouais! Putain, c'est con. J'ai pas fait gaffe du tout. Ah bah non plus je l'ai pas vu hein.
des petites merdes de pierre là. Merde, c'est toi ça. Il est où? Il est en bas. Ah non. Putain. En plus, ça se trouve, on était dans les temps. Ouais. Bon. Ouais, ouais. 47 secondes de trop. Ah, non, ouais. 1 minute 47. Non, 1 minute 47. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'était chaud. Ouais, tant pis. Attaque de feu à longue distance avec une capacité secondaire de mur. Coupe. Ah, attends, je vais améliorer un peu. Je vais améliorer. Crash de flèche. Et du coup, alors. On va l'augmenter à fond. Inflige des dégâts de glace ou augmente la durée. Inflige des dégâts de glace. C'est bon, mur de flèche il est full, le goudron il est full. C'est à fond. C'est quoi que je voulais augmenter? C'est quoi que j'ai utilisé? Broyeur. Ralentit les ennemis, augmente la durée active. Ouais, mais au final il est un peu chiant à utiliser. Je sais pas c'est quoi les améliorations spéciales sur chaque piège à chaque fois, ou même les... Mais je sais pas, je les vois pas. Bâton à lame de seigneur monstre. Dulcan mana. L'attaque primaire soigne sur coup. Attaque secondaire lance plus haut. Archer garde sol. Augmente la santé. Ouais, les archers au final tu peux pas vraiment les booster. Hein. Non. Moi j'ai fait une faille où j'en ai mis plein. J'ai perdu quand même, mais Ah, l'aplatisseur de plafond il peut être pas mal. Ça stun je crois. Zin. Ouais, et augmente les... Ouais, il stun et si... Inflige les dégâts physiques. Augmente les dégâts infligés aux ennemis étourdis. Attends, martèle les ennemis lorsqu'ils sont... Non, il est... Non. Soit tu choisis étourdis les ennemis touchés, soit tu augmentes les dégâts infligés aux ennemis étourdis. C'est-à-dire que si tu mets le augmente les dégâts infligés aux ennemis étourdis, il faut que tu aies un autre piège qui est étourdi. Ouais, qu'est-ce qui est étourdi? Il faut juste réussir à faire les combos. Ouais. Toi, genre canon à neige, c'est un résultat de récupération. Inflige des dégâts d'acide. Ah, ton canon à neige, il inflige des dégâts d'acide. Si je peux, ouais. Moi, je mets réduit le temps de récupération, comme ça, il... Mais je peux prendre dégâts d'acide si tu veux. Non, bah après faut trouver avec quoi ça peut fonctionner, tu vois. Mais attends, j'avais pas vu que tu pouvais augmenter les babioles. Si. Augmente la durée. Ta régénération de soins passifs augmente la quantité de santé active. T'as dégâts d'arcane aussi. Là, j'ai une amélioration spéciale sur la babiole de soins. Babiole de soins. Augmente la santé amélioration max. Amélioration spéciale, ouais. Augmente la santé max. N'utilise jamais. Vous êtes peut-être quand il cac, faut que tu l'utilises un peu plus. C'est ça qu'il te faut, toi. Amulette de glace, t'as vu? Mais c'est ce que j'utilise tout le temps, moi. Mais t'as l'amélioration unique, tu l'as mis? L'amélioration unique. Non. Regarde, l'attaque secondaire crée une aura autour du joueur infligeant des dégâts aux ennemis. Ouais, mais c'est-à-dire, faut être dedans quoi, faut être cac. Ah ouais, si tu joues cac quoi. Ouais. Augmente la durée de gel. Et les barricades bloquent deux espaces. Ouais, mais écoute. Mais ça se trouve, elle coûte peut-être pas 1006, ça se trouve, elle coûte 1000. Ouais, bah après, je préférais prendre les. Qui dure plus longtemps, tu vois. On va se prendre des coups. Toi, genre là, on a pas utilisé de barrière. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a le mur de pique. Mur de pique étourdit les ennemis touchés.
Au final, le piège à pioche, je m'en suis pas servi, mais il peut être pas mal. Inflige des dégâts d'éclair ou inflige des dégâts d'arcane. Ouais. Mur de pique. Ça varie, hein. Fait saigner les ennemis touchés. Étourdis les ennemis. Ah bah voilà. En gros, tu fais mur de pique avec l'aplatisseur au plafond. Ça peut être pas mal. Ça distrait, je m'en fous. Pas bien. Pas grand chose qui me chauffe là. Cogneur, ça doit étourdir. Ouais, normalement. Bon, non. Ça projette les ennemis. Ce qui étourdit, ouais, c'est drôle, attends, ce qui étourdit, je l'ai vu. Étourdi, c'est le poussoir. C'est sur les murs, ça. Étourdi, chargeur mural. Étourdi, ouais. Les ennemis touchés. Attends, chargeur mural, je l'aime. Augmente les dégâts infligés aux ennemis électrifiés. Putain, c'est ça qu'il faut. Bah, je peux chargeur mural avec les trucs que toi tu mets au plafond. Bah, je peux le prendre si tu veux. Bon, je c'est des dégâts d'éclair que tu fais ouais. Au plafond. Ouais, je crois. Bah, tu mets ça avec le chargeur mural, avec les augmente les dégâts, je peux te dire, tu vas faire un combo. Alors, je pense que c'est éclair parce qu'ils disent rien, mais. Tu vois, je l'ai pas, moi, ton truc. Laser, ils font des dégâts de, ah, de foudre. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah, c'est éclair. Je pense que tu prennes ça. Ah, voilà. La murale. Il est là, laser plafond, la murale, piège à rabat, poussoir. Ah, soufre. Ah, c'est ça qu'on utilisait. On l'utilisait, ouais, c'est ça, ouais. Réduit le temps de récupération. Inflige des dégâts d'arcane. À mon avis, d'avoir des trucs, tu sais, insensibles à la glace et tout, après. Ouais, du coup, je sais pas si j'augmente un truc ou pas. Bah, moi, j'ai fait le chargeur, on verra. Chargeur mural ? Ouais, il est pas à fond encore, mais... Pourquoi ? Parce que j'ai plus de crâne. Trampoline, tu les as à chaque fois, toi ? Oui. Je reprends pas, alors. Attends, c'est quoi, je... Putain, il y a ça aussi. Et putain, tu te fais un combo lame murale avec le... l'aplatisseur de plafond, là. Tu mets un autre piège qui étourdit, donc tu mets ces trois pièges ensemble. La lame murale augmente les dégâts infligés aux ennemis étourdis, aussi. Du coup, tu veux que mon chargeur mural, je le mette en étourdi ou dégâts ? Là, pour le moment, je les ai pas, les pièges, mais faudrait qu'on se le fasse. Je les achèterai après, je continue de monter un truc. Ok. Là, je vais juste garder des crânes. Attends, dans ces cas-là, je vais monter ça. Ok, je vais essayer de monter un cinérateur. T'as essayé de taper combo piège Ah, j'ai pas regardé, non. OMD3. Oui, putain, mon clavier, il est en... Oui. Merde. Combo piège OMD3. J'ai pas été voir sur leur Discord. Piège et technique, mais à mon avis, c'est vieux, ça va être 2011. Ah, faut que ce soit le 3. Truc et astuce. Ouais, mais ça, c'est juste un test. Hein. Ouais, ça. C'est... La meilleure combinaison de pièges sur. De quand ça? 2012, laisse tomber. Ouais, à mon avis, on aura rien. Non. Bah, vas-y, on va faire comme ça et on verra. Ouais. Du temps. Ça en faut des crânes. Discussion, qu'est-ce qu'on a sur leur.
Oula. Oui, j'ai pas remis le clavier. C'est quoi ça? Non, c'est un scénario ça. Ouais, celui-là, j'ai pas réussi. Tu sais quoi? Non. On a l'essor de la machine. Attends. De guerre. Ah oui, c'est celui-là où il y a un bug. Ok. J'aurais pu réussir si j'avais pas bugué. En fait, ce que j'ai fait, c'est ici. J'ai créé un... Non, il y en a 4. En fait, c'est j'ai fermé là. Ouais. J'ai fermé là. Comme ça, les mobs ils font le détour là. Et surtout ici, il faut pas mettre de trampoline. Ça les envoyait sur le toit. Et après, ils tombaient, ils allaient dans la salle. normalement, si tu fais ça, ils vont tous passer par là. Faire le tour là et arriver dans la salle. Après, il faudra juste gérer. Au sous-sol, t'as. Si je me suis pas trompé, ouais, t'as une seule salle. Au sous-sol qui arrive de là. Là où je suis, ouais. Qui est en direct dans la salle. Ah, tu peux rien mettre de. Les gros pièges. En intérieur, non. Et après. Je suis dehors, mais... Ah, dehors? Bah, si, normalement, tu peux mettre les gros pièges. Ah, mais je suis dehors, je me comprends. Ça sert à rien. On peut mettre ça loin. Ici, j'avais mis plein d'archers, en fait. Ça sert à rien. Les mobs, ils rentrent. Et puis après, t'es gros archers, là, ça sert à rien. Bah, en fait, j'avais blindé plein d'archers pour voir. Et les mobs, vu que c'est à gauche, après, et qu'ils sont à la porte, ils peuvent plus tirer les archers. Malheureusement. Donc je me suis dit, la solution... Parce que du coup, ils vont venir de là aussi. Il n'y a qu'une entrée, là. Il y a une entrée qui est là. Et là, il n'y a qu'une entrée. Et là. Pour dehors. Ah, pour dehors, oui. Après, t'as un portail qui vient de dedans, qui est là. Donc avec une porte. Là où je suis. Et les mobs, bah après, ils vont suivre là où j'ai mis les barrières. Normalement. On peut mettre des trampos là. Oui, oui, on peut. Ouais. Il sert à quoi ce piège là, celui-là? Par lentille. Lequel? Ah, le truc de glace là? Ouais, nul, ouais, je l'ai pas trouvé très efficace. Après, voilà, c'est tout. Je pense, histoire de ralentir un peu. Et mettre dedans alors. Ouais, bah, on va être obligé de toute façon. Après, du coup, faut mettre après. Alors, parce que là, la porte, c'est une entrée qui arrive aussi. En fait, ils vont tous passer là. Là? Ouais, ils vont tous venir ici, ouais. Attends, est-ce qu'il y a des casseurs de. Il n'y a pas de cobble. On peut mettre des barricades. Ça. Ce que j'avais fait, ouais, c'est ça, je crois. Ouais, on peut faire ça, ouais. C'est vrai. Attends, du coup. On va prendre ça, je prends ça. Comme ça, hein. Pour réussir à les faire longer. Ouais. Ouais, ce serait mieux, ouais. On peut déjà aller dehors. Pour sortir, c'est comment? Là, hein. Ah, t'es... Un vrai bordel ici. Bien. Ah, je mets du temps à comprendre le truc. Mais bon, ça m'a pas empêché de pas réussir. C'est super, Edouard. J'arrive pas à sortir. Mais si, c'est là. Ah oui, il y a le big boss là. L'elfe. Il va créer un portail à l'intérieur aussi. Il a fait pop un portail. Bouffeur.
Non, non, mais à un moment donné, il va arriver à dire « Ouais, je te fais un portail, enculé, hop !» T'as un portail qui pop à l'intérieur au hasard. Il y a des casseurs, là. Non, c'est des archers. Mmh. Archers dynamite, ouais. C'est du vide, non, n'empêche. Ouais. Oh. Ouais, je suis mort. L'armée. Il y a des trolls à la con. Du coup, je suis à l'intérieur. Gaffe, tu vas à gauche. Oh, j'ai deux trucs sur les gars. Moment de vérité. J'ai pas d'archer. Et des trucs dynamiques alors comme tu dis là. Faut aller les exploser eux. Ouais. On est bon là. Là on est pas mal. Faut pas mettre de trampos, c'est tout. Ah, mon petit trampeau à l'entrée, il fait son effet. Ouais, ouais, t'as bien joué, bien joué. J'y ai pas pensé à faire. Ils vont faire des souris qui vibrent. Je sais pas, c'est pratique. Un petit ressenti. Avec les barricades. Ah, c'est la, c'est l'archer dynamite. Ah voilà. Ah voilà. Fais voir. Ça va du dégât. Ok. Faudra penser à un moment donné où, au sous-sol il y a une porte qui est pas gérée du coup. Ouais. Pour le moment. Ouais. Cher.
lâcher le dynamite. Tu sais que mon broyeur il a pris des dégâts. Ah non, il se régénère, d'accord. Okay. Oh, il est plein. Mais... je vais aller voir les. T'es parti ou quoi? Non, je suis là. Je vais voir les. Archers dynamiques. Ouais. Bref, il y a des tout petits. Ok, ok, je suis là. Je suis à la réception. Bref. Plutôt pas mal. Il a mis de mes couilles, hein. On a pas tant de pièges que ça. Ouais, mais ça passe bien, là. C'est un truc. Ouais, j'ai juste un vieux combo de truc de feu, là. Ouais, ça fait bien, ça fait le taf. Là, c'est l'autre porte, là. Tu passes par là aussi? Ouais, normalement, ouais. Pas de conneries, si je me suis pas trompé. Hein. Je suis jamais arrivé jusque là. J'ai fait du théoricraft. Ah oui, l'entrée elle est là-bas à droite. Ok, bien suis-moi. Ah, je regardais s'il y avait possibilité, mais si je ferme ici, ils peuvent pas arriver de là. Ah si, c'est la seule porte. Ouais, t'en as une qui est pas gérée. Ah, okay. Ouais. Oh, ok, celle-là. Il faut regarder un peu de thune pour en bas. Hein. Ok, ok. Ouais, j'ai des thunes. Bah, je vais aller en mettre en bas aussi parce que du coup. J'ai rien mis, j'attendrai. Ok. Ouais, vas-y, je lâche. Plus d'ennemis arrivent. Faire un neck around. Du coup ça nous fait 3 portes maintenant. Ça va aller. Et ça ramasse au début. Hein. Ouais. Ah oui non, c'est pas dans c'est pas dans ce château qu'il y a une faille en plus. Tu l'as passé celui-là? Non, j'ai pas passé, j'ai pas réussi. Tu dis, il y avait un bug et du coup j'ai abandonné. C'est culé s'il y a les autres. Ça passe pas. Non, ça va. T'es là, toi. La porte, tu sais, qui était la nouvelle porte vient de s'ouvrir. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était déjà ouvert. Mais... Non. Tout ça fait un amas de le truc. C'est des petits meubles, ça va, pas trop dur. Et qu'on arrive à le pousser sur ton mur de scie en fait. Ah ouais, exact. Ta mère. Perdu toi, je perds. T'as y'a rien qui passe hein. Hop. Là ça massacre ton coup de regarde. J'avais pas vu.
c'est excellent. Allez, une halle. Je crois que Gnoll il passe par-dessus les barricades. Ouais. Allez, il arrive. Deux. Ils sont mi-life. Et là j'ai la porte d'après. Ouais, alors on va les blinder. J'ai 8K. Pas des masses de thunes. J'ai 8K moi. Tiens, c'est là, c'est là. Alors, c'est soit on va faire les faire passer là-dedans. Okay. Quoi qu'il reste deux vagues. Non mais garde tes... Attends, reprends tes pièges. Et fais-les longer un mur. On fera plus de dégâts en faisant longer un mur. Tu pars en diagonale là. Bouffer le moins de pièges possible. Ouais. Ouais. Comme ça. Mets tes trucs de 6 à la limite, vaut mieux, je préfère que tu mettes tes trucs de 6, ça marche mieux que mon. 6. Je vais foutre ça. Faire ça. Et ça. C'est la dernière vague en fait. Ouais. Bon. Ils arrivent pas direct. Si c'est pas des trucs qui explosent, faut espérer. Allez. Normalement c'est là. En premier. Plus de normalement là-haut ça devrait tenir. Nos ennemis font une percée à la... Ils ont détruit. On est des connards, il y avait un couloir en bas. Mm. C'est des anti-feux. Connu alors que. Moi je l'ai trouvé excellent comme jeu. Il est super fun en fait. Ouais. Pourtant la communauté elle est grande. Hein. Tu vas sur Discord et tout. Je veux dire, les streamers et tout, il n'y a pas de. C'est vrai qu'on aurait streamé du Fortnite Day. Bah ouais, c'est clair. Les petits, on les avait pas vus. Hein, ça y est passé. Non, c'est pas passé encore. Il y a un ou deux qui bougent, je pense. Il faut remettre des pièges ici, parce qu'on est mort ouais. Sinon. Ouais. Alors, est-ce que ça passe là-haut? Ils arrivent même pas à phase 2, notre plan. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais économiser alors. Ouais, pour je pose rien. Je
voir comment je peux faire d'abord. Ou tu me dis hein, si c'est la merde. Ah ouais, t'inquiète. Alors, on aura un boss ou un truc comme ça, non? Tu vois. Ouais, c'est possible. Si c'est un massacre, je sais pas si tu les avais up à fond. Les quoi? Les si? Ouais, c'est si. Ouais. J'ai mis saignement, ouais. Sinon t'as explosion. Explosion, ça peut être drôle. Ouais, j'ai pas test. Ça, ça arrive à les contenir en fait. Si t'es, si t'es, t'es là, enfin, si, si y a un héros. Je vais poser là-bas. On fout un laser. Il y a des trucs, ça c'est cool. Si je mets des pièges. Ah non, ça va pas marcher, ça va être trop court ça. Ouais. C'est bon, plus de thunes. Dernière vague. Plus d'ennemis arrivent. T'as pas arrivé de là tout de suite, je pense, si. Non. Je vais attendre. Du coup, bah, avec la thune que t'as, mets les pièges là-haut. Putain. Ouais, mais quand tu... quand on gagnera. Ah ouais, ouais. Oula. Ouh, il y a le boss. Attends, je vais essayer d'aller lui fumer sa mère un peu. Je n'ai aucune idée de quoi ou de qui c'est. C'est Zelzador, Kelsey. Également connu comme le résurrecteur. Quoi? Il ressuscite les orques? Ah, moi j'aime bien. Ressuscitage. Ça fait penser au truc de Diablo. J'ai un connard sur la gueule là. Il va péter les pièges. Il est pète. Ouais, ça. Wow. On a des barricades, nous. Il est là. On dit, hein, c'est la merde. Faites pas les barrières, c'est bon. Il y a des signes de feu, moi. Ok.
Moi, j'ai des seigneurs de feu qui... Ah, c'est bon. J'avais doublé. C'est moi. J'ai doublé les barricades, donc c'est pas grave. Ça tient. Bientôt fini en bas. C'est bon, j'arrive. Je vois toute la thune là-bas. Ton côté. Ouais. Si on joue le combo. Avec la DC. Gandalf, il serait fier. Je kiffe quand tu fais un lâcher de boulette quand t'es full mana. Tu te rends compte qu'avec le bon combo, très peu de pièges, ça... Et on l'a tout. Oh, on est large de ouf, mon gars. Ah ouais. 7 minutes 20... 19. D'avance. Qu'est-ce qu'il nous manque comme crâne? Touchable, ça je pense qu'il faut pas se faire toucher. Allié tué depuis le début. En gros, c'est genre tu joues tout seul. Je sais pas. Moi, je suis mort une fois, en tout cas. Gros combo 10. Ah oui, plus important de série sanglante 164. Nombre de combos 580. Dégâts causés par les pièges 13 000. Dégâts infligés 61 000. Oh, c'est chaud, ça. Me voici de retour. Après un long et périlleux. Si, j'ai un peu... Attends. On peut fermer... On peut fermer... Attends. On n'a pas de cobalt explosif, c'est bon. Fermer en bas au moins un. Alors, attends. Oui, c'est ça. Je savais que ce mec allait pas nous faciliter la tâche. Mais... Attends. Merci. Mais il arrive tout, en fait. Il y avait des signes avant pour moi. Ils arrivent d'en haut en fait. Il y a en haut et en bas. Oh, que en haut en fait. Non, en bas. Il y a que dalle. Je vois pas en bas. Attends, s'ils ont mis le bas, c'est que. Non, ils arrivent de là, oui, d'accord, en haut ici. Ils descendent. Non, ils descendent pas. Mais non, ils descendent pas. Pas rien le bas, c'est un piège. Attends, y'a un truc là. Un piège le bas. Non, ils arrivent tous d'en haut. Il me paraît chelou. Est-ce qu'on peut les faire passer dans les portes? Je crois pas. Les portails, c'est réservé à nous. Ouais, ça me dit rien. Non, ils arrivent tous d'en haut. T'as un piège en bas. Tu te dis, ouais, je vais fermer en bas. Ouais, comment tu fais? Donc c'est à deux portes là. Ah, après tu peux les faire contourner, tu sais, genre avec des barrières, tu vois pas toutes les barrières qu'il faut mettre. Impossible. Falloir, hein.
Wow. On va mettre que 3 en plus. Mais si tu fermes là, ils vont pas passer. Même pas bloquer ça. Ils vont taper dessus direct. Ah. Tu peux leur bloquer tout le tour. Tu sais, par exemple, tu bloques tout le tour pour les ramener quelque part pour qu'ils fassent un chemin à la con du style revenir là pour pouvoir repasser et que la seule ouverture elle soit ici. C'est tout ce que tu peux faire. Attends, c'est étrange, c'est étrange, étrange. Ah, c'est sûr. Ah, là, faut du trempeau. Ah, attends. Trempeau, c'est-à-dire qu'on fout de plein en bas, qui vont remonter un peu à l'arrache. Ils vont remonter par les... Ils vont remonter par là, ils vont arriver tous de là. Trempeau, faut que tout le monde arrive de là, sauf... Attends, parce qu'on n'a pas de mur. Il n'y a pas de mur et il n'y a pas de plafond. Attends, je vais prendre des trempeaux. Attends, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Ah, c'est peut-être ça en fait, full trempeau. Hein. Ah oui, full trempeau. Parce qu'on n'a pas de mur, pas de plafond, et après il remonte là. Ah mais j'en ai même pas de trempeau. Ah. Moi je les ai. Attends. De toute façon... Je les achète. Et on marque qu'on est au 16ème, il en reste plus que deux. Attends, qu'est-ce qu'on a comme piège au sol là? J'ai 27 crânes. Ouais, du coup, t'as pris quoi? Sur tes trempeaux, t'as pris projette les ennemis. Ah, mais non, je peux même pas le mettre. Déclencher 40 fois. Ça c'est mort. Et du coup là... Je vais mettre des archers. Hein. Des archers. Je vais augmenter les archers avec des dégâts de feu. De toute façon. Vas-y, je vais faire comme toi, on va faire archer trempeau. Comme ça. Puis après au sol, pas grand chose. Normalement, trempeau, s'il tombe en bas, il meurt. Espérer. J'ai pas grand chose en sol. Je sais pas après si on peut faire le mode infini tous les deux. Si. Je crois. Hein. Je vais tout faire en quoi? Ça fait gagner des crânes, ça? Ouais. Pas beaucoup, mais ouais. Je crois qu'il faut finir le scénario déjà. Ouais, ça va nous ouvrir l'autre truc. Allez, go. Alors. Du coup, faut que je mette les trempeaux. Ensuite, je vais supprimer les plafonds parce que c'est ça. Alors, attends, parce que quand il va remonter. Il va remonter là, et là il y a des plafonds. Oui, c'est ça. En fait, t'as deux endroits où il remonte. Avec ce mec, allait pas nous faciliter la tâche. Non, je pense qu'on va pas faire. Super boulot de résumer ce que la sorcière allait dire. Merci. Enfin, je lis beaucoup. Moi, j'ai viré. Assez évident, non? Ils sont là, de toute façon, c'est pas le choix. Hein. Thank you.
Aussi la salle elle est remplie. C'est sympa cette histoire. Bon. Eh bien écoute. Sachant qu'il y a deux autres portes, quoi. Les ennemis font une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Non. Comment on va gérer trois portes après? On peut pas. Attends, parce que les mobs ils remontent là, non? Non. Et je peux pas. Oui, il remonte. Good. Oh putain. C'est l'autre là. Porte. À la limite, il y a des murs. Remplir le sol de... faut mettre des barrières. Oui. Je n'ai pas pris les barrières. Je mets tout. Oh, faut mettre deux barrières là. Mais après, il faudra mettre des barrières tout là. J'ai plus de thunes. C'est impossible. La solution, je pense. Plus d'ennemis arrivent. Les ennemis attaquent sur un autre front. Attention, nos défenses sont plus gros que visées. Plus qu'arrive. Il est gros. T'es pas prêt. Hein. Autre porte. Youpikey. Une seconde, pas une seconde, j'y crois. Non, sinon, faut fermer là. Et comme ça, ils vont aller. Non, ils peuvent pas. Oh merde. Ouais, ils sont câbles, tu peux pas faire ça. Ouais, putain. Right? Faut les bons trampolines, enfin faut les bons pièges. Ou alors faut mettre que des pièges, tu sais, qui ralentissent au sol. Les gros là. Ouais. On n'aurait pas dû faire ce côté là, on aurait fait l'autre sens. Plus d'ennemis arrive. Là ils vont tourner à droite pour aller dans la cible, dans la faille. Je pense. Nos ennemis font une percée à l'heure. Ils ont détruit une autre porte. Ils entrent dans la faille. Quoi? Et d'où? Ah oui! Il y a deux portes. Il y avait l'autre. Non. Il y avait deux. Les boulets. Ah putain. On a perdu 8 vies. Oh, on perd plus que ça. Il ne nous reste que la moitié de nos points de faille. Comment?
Il y a toutes les portes. Ah non. ouais, je sais pas en fait. Beaucoup de dire. du coup, l'autre c'est là. Cover, plus d'ennemis arrivent. Et deux portes. Mettre là. Fais gaffe parce qu'il y a les mobs qui remontent. Mmh. Ouais, c'est bon. Ouais, sauf les mobs qui remontent. Je touche pas d'ici. Un autre. Ah bah, tu montes, net. Celle du milieu est toujours. Hein. Ils font des dégâts les archers quand même. Ouais. Non. Merde, j'ai pas vu. C'est où? Par là. Ça, ça sert à rien. Mettre des archers. Les archers, ils font des dégâts. Blindé d'archers. Et hop. Il y a les trois portes. Là, la vague, elle est pas longue, mais. Sur sol latéral, je vais à gauche. Enfin, ça arrive. Il y a un troll. Mais du coup, avec les archers.
Je sais pas comment on a encore 10 vies. On met des trucs sur les côtés. Ouais. Je sais pas quoi, mais... Plus d'ennemis arrivent. Ça remonte. Vague suivante. On a rien. J'ai mis des lames à gauche pour me mettre là. Plus d'ennemis arrive. Mettre un archer. Ils ont des sens, les archers. Je sais pas si ça joue beaucoup. Je pense pas. Mais ils tirent pas, hein. Ils sont à l'envers, je sais pas. Ça arrive déjà en plus. Waouh, c'est chaud parce que... Il y a des archers. Les archers du centre, ils font le taf, hein. Ouais. T'es obligé de jouer avec la minimap à mort. Ouais, c'est obligé. Ils ont joué le jeu. Ouais. Au final. Ça s'était pas fait baiser à un moment là. on est passé. On a réussi à la plage. Deux crânes, mais voilà. Ouais, peut-être même qu'un. Eh, deux crânes. Deux crânes quand même. Ah putain, 10 minutes ils font ça. Après. Ouais. Ah, celui-là, j'ai pas réussi. Par contre, j'avais un truc qui était impeccable. En fait, j'ai fermé là. Il devra vous affronter. En fait, j'ai fermé, c'est comme ça. Attends. Là. J'adore les écrabouiller. Là. Là. Et tu leur fais faire le tour. Ouais. Tu fermes là. Et après, tu fermes ici. Comme ça. Et après, ils font vraiment tout le tour. Attends, ferme là. Et moi, j'avais blindé là-haut, là, d'archer. Après, moi j'avais fermé ici jusque là. Le problème, c'est que t'as des kobolds. Attends, c'est quoi que t'as? Il y a un truc là, je suis en train de voir.
Tant que t'as pas démarré la partie, tu peux changer tes pièges. Ah oui, oui, oui. Regarde, par exemple, moi je pose des barrières. Je pose des barrières et après je change mon piège. C'est-à-dire que j'aurais pu poser des barrières, mais je les aurais plus dans mon inventaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? T'es sûr que ça marche, là? Je sais pas. Regardez. Ah non, voilà, ça marche pas. Ouais, quand même. J'ai essayé de niquer le système. Du coup... Oh putain, j'ai le boulier. La masse métronome. J'avais pas ça avant. Ah mais j'ai le baliste aussi. Non, ok. Oui, ok. Là, on est sur du piège sol, quoi. Ouais, enfin, sauf... ouais. Ouais, ouais, c'est ça, piège sol, sauf en bas, là. Moi, j'ai réussi à blinder un peu en bas. Et le problème que j'avais, c'était ici. Ça pétait, avec les cobbles. Et c'est tout. Je vais virer les arches, l'archer. Ah non, moi je vais garder, hein, parce que je vais blinder l'archer, moi. Ça marche bien. Ouais, je les mets sur la plateforme là-haut, là. C'est devant le... Là oui, au-dessus. Devant la... Ouais, là je les mets tous là. Et en fait, ici, je fais le couloir, ici, tu sais, de longer le mur. En fait, c'est là ma concentration de trucs. Bah, je vais en mettre là, alors. Je vais en mettre un, il me reste un. Allez, c'est parti. Les ennemis préparent une percée de l'une de la porte. Il faut que je suis à une porte. Ah, c'est aussi. Ouais. J'ai pas de conneries. C'est ça, ouais. Bon, bah, moi j'avais blindé de piège, genre comme ça, quoi. Histoire que ça pète un peu. C'est quoi, je mets des lames, j'avais pas ça. Mais... Si on arrive à péter ceux d'en bas, on sera safe pour les barricades. Plus d'ennemis arrivent. Ouais. Et après on aura juste à gérer les kobolds là-haut. Les ennemis attaquent. C'est la théorie hein, parce que j'ai pas réussi à terminer. Enfin, c'est des insensibles au feu. Bon ça. Nul. Ok. Et en fait, attends, c'est ça les armes. Prendre des armes des mobs. Oui. Là c'est des dégâts d'éclairs. Ouais. Oula, attends, il y a des archers là-haut. Il y a l'autre corps. Oui. Prévu ça. Là, le plan quoi. Putain, deux, c'est mieux. Du coup c'est en bas, ok. Le dégât de feu, moi c'est la merde hein. Ça.
Plus d'ennemis arrivent. Il y a les kobolds. L'armée ennemie attaque sur un autre front. Ils ont une percée. Les kobolds. Ah, c'est les salamèches. Son marché de feu. Ouais. Merde. Putain. On est où là? On est là. Ah, c'est la porte là. Ah oui, c'est ça. En fait, ce que j'avais fait, c'était ça. Et j'ai pu. Ah oui, j'ai pu le. Un peu partout du coup là. Plus d'ennemis arrivent. Il reste une porte qui est pas ouverte encore. Une autre porte est attaquée. Ils ont détruit une autre porte. Oh. Luba. Ouais, j'ai vu. Hercule. Ils sont emportés par les flèches. Ça va. Ça va parce que les barricades elles tiennent, mais. Sort. Wow, faut qu'il me tire dessus. Ça passe. D'accord. Par contre, les archers. Quoi, les archers font zéro damage sur les autres.
essaye de contenir en bas. Je vois pas où la barricade. Ah non, non, c'est... Si, c'est le chasseur noble. Casse les couilles. Une barricade qui a chié. Waouh. J'ai pas. C'est bon. Ah, c'est les archers, les dynamites. Je sais pas, mais j'ai vu une flèche. Il y a un élémentaire de feu, je vais essayer de le buter en bas. Ils sont passés ? Non ! Mais il est passé ? Alors là, je sais pas, mais en tout cas, on a plus d'archers. Oui, je sais. Les boules de nos fusils à la con, là. Ouais. C'est possible. Ouais, les archers sont plus chers, on appuie. Qui les a butés ? Bah, les mobs. Ouf. Ah, c'est bon, ils ont repop. Yeah. Ouais. Ça va être chaud. Plus d'ennemis arrivent. Ça tient bien. Waouh, on a perdu tous les archers. C'est les archers dynamiques. Bien canon de neige en bas. En bas, je vois tous les chiffres. C'est ça. Il y a un gnome qui arrive sur toi. La merde, fils de pute. T'as des archers dynamiques quelque part, hein, je sais pas où. Je
plus de mana. Je te vois descendre en montée. J'essaie de les éviter un peu. Putain, les archers. On va en mettre. Plus d'ennemis arrivent. Ah, je suis mort. C'est des gnolls. J'arrive pas à passer. J'arrive pas à passer la barrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a laissé passer qu'un, merde. Ouais. C'était mal barré au départ. Ah putain. On était bon. Rocher de bowling. Ah, ça va être bon ça. Oh allez. Il reste plus qu'un sur la campagne. Temple de l'ordre. Et après ça te débloque plein de trucs je pense. Baliste automatique. Tac. Ah non, là le scramble. Scramble, je sais plus quoi. Oh, ça nous a débloqué des pièges. Mais le mode scramble. Ah oui, scramble, oui, oui. Scramble. Ajoute des mages monstres. Ah, tu l'as fait déjà? Ouais, j'ai testé. C'est. En gros, t'as droit à un bonus, mais t'as un malus. Tu dois choisir un malus, du coup. Et au cas où, si le malus il te plaît pas, tu peux faire un roll pour avoir un autre malus. Des fois, c'est pire. D'accord. Et si tu perds, bah t'as tout perdu. Scramble. Ok. Bah, ça peut être marrant. Ouais. Mode sans fin. Après, il y a une autre campagne apparemment. Et défi hebdomadaire qui doit faire gagner pas mal de crânes. Je sais pas, moi j'ai eu 3 crânes au défi. Tu l'as fait. Il a limé le jeu, le gars. T'as un classement, mais je sais pas, là ça tourne. J'étais 1000, je sais plus combien. Loin. Y'a pas grand monde. Bah vas-y, je me casse, Ben. Ouais, Ben.